Précédemment dans The Legend of Zelda Breath of the Wild. C'est juste une lumière, pas trop bien. Par contre, je capte une sanctuaire là, quelque part. Et ça, je suis très curieux d'y aller là. Passe les épreuves! Oh, t'es beau! Oh, t'es beau, Corgo! En forme de gland! Oh, c'est mignon! Passe les épreuves! Oh la gueule de ce Kourougou quoi! Oh, héros et Hyrule! Les Kourougous ont préparé des épreuves tout spécialement pour toi! Tu as sûrement plus besoin maintenant que tu as retiré l'épée de légende! Mais elle devrait quand même te rendre plus puissant! Bien, bien! Souhaites-tu te soumettre aux épreuves Kourougou que nous avons préparées pour toi? Bah, bien sûr, allez! Oh, comme tu es naïf d'accepter une telle demande sans même savoir de quoi il s'agit, c'est toujours un détour. Pour revenir à notre sujet, Enfin, c'est plutôt qui fait voilà. Que sont les épreuves, Kourougou? C'est un rite de passage à l'âge adulte au cours duquel il faut faire le tour des sanctuaires de la forêt Kourougou. Épreuve numéro 1, au sud-ouest, l'épreuve du fer. Épreuve numéro 2, au nord-ouest, l'épreuve des fleuves. Épreuve numéro 3, à l'est, l'épreuve du feu. Tu dois surmonter toutes les épreuves pour devenir le véritable héros. Et il y a une récompense à la clé, bien sûr. Cède à la cupidité, sois matérialiste, et que ta détermination te pousse à remplir ta mission. Super, bon courage. Ok, bah c'est l'heure tout court en fait, hein. Brille, brille! Une douche. T'es pas haut! T'es pas haut! Salut toi, pourquoi tu es monté sur un truc? Tiens! Mais qui c'est que. Mais qui c'est qui est là? Salut à toi, ami héros, et bienvenue au Cascrain!
On a plein de choses ici. Des trucs que j'ai, des trucs que je trouve dans la forêt. Et même des trucs que je trouve pas dans la forêt. Si tu... Si ça te plaît, tu prends, mais tu veux peut-être me vendre des trucs plutôt. Tu vends quoi ici? Ah oui, c'est un magasin. Ah mais je suis trop con, regarde-moi ça, des flèches là, des cannes à sucre, des pubs. Ah, j'ai commencé à avoir le hockey et puis là je baille. Moi j'attrape tout hein. Il panique. Oh, c'est une chambre. Oh, bonsoir, bonjour, bon appétit. Ah, désolé, je crois que je me suis assoupi encore un instant. Oh, mais oh, c'est toi, ami héros. L'arbre bonjour nous a parlé de toi, oui. Tu as enfin réussi à atteindre notre belle forêt. Je t'ai attendu encore un peu et je prenais une racine. J'ai déjà des radicis, des radicelles. Ça ne veut rien dire. Bienvenue au nombril de l'arbre mojao. J'ai préparé ce petit lit de feuilles bien, rien que pour toi, ami héros. Tu veux faire dodo aussi longtemps que tu veux, ami héros. Ouais, c'est juste, je vais dormir, quoi. Bah non, merci, hein. De toute façon, je suis assez up, hein. Ouais, blablabla. Bon. Toi, c'est quoi? Oh là, voilà, c'est lui, bienvenue, je t'attendais depuis si longtemps. Ouais, blablabla. Donc, lui, c'est l'épicerie, hein, normal. Enfin, c'est le champignier, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il tient que des champignons, je suppose? Ouais. Ouais, tiens, ils vendent toujours des espèces de champignons, genre ça. Ça, c'est considéré comme un champignon, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Truffe max, voilà quoi. Je sais même pas si ça existe en vrai. Bon, sinon, pas mal à la maison des Korogos. Hein. Donc voilà. Donc on peut grimper à des endroits. Oh, dit-il de mettre. Ah non, il se sauve. Ah, il se sauve. Ah ouais, je peux lui parler. Aïe. Si tu l'as brandi contre le fléau Ganon ou les monstres imprégnés de son noirceur, l'épée de légende se nimbera de lumière. C'est alors... Désolé, je baille. C'est alors seulement qu'elle révèle toute l'étendue de sa puissance. Mais garde-toi d'abuser de l'épée sacrée. Blablabla, j'ai déjà lu tout ça. Allez! Ça te fait rien si je te grimpe dessus? Non, ça va, ça te fait rien si je te grimpe là? Il s'en fout. Voilà, je grimpe. Oh, oh là, regarde-moi ça, quand on grimpe comme ça, personne ne le fait. Hein. Cette technique, je sais pas si j'arrive à bien le faire. Hop, meilleure technique d'escalade. Oh, salut toi. Là, mes yeux se sont refermés toutes seules. Si tu es venu à moi, c'est que tu veux subir l'épreuve ultime. Le petit Korogo qui fait l'épreuve ultime comme ça, qu'il lève les mains comme ça, tu vois, et avec ses petits effets de montage, avec des petits orages dessinés, c'est un truc en carton, quoi.
Lorsqu'Anne il est là. Comme dans tous les jeux, ce serait une bise. Exactement. Je dois pêcher aux Zuludés. Alors. Je suis prêt. Quelle épreuve ultime commence. Tu dois m'apporter les objets qui correspondent aux indices que je vais te donner. Qu'est-ce qui est petit, rouge, rond, croquant et sucré? Trouves-tu la réponse? Là, c'est des indices cons à la Fort Boyard. Quand on ne fait pas ce genre de truc. Trouveras-tu pas? Si l'objet que tu poses sur la feuille est la bonne réponse, je danserai. Super. Révélé. Parlez. Qu'est-ce qui est petit, rouge, rond et croquant? Alors, petit, rouge, rond et croquant. Et sucré. Petit, rouge, rond et croquant et sucré. Petit, rouge, rond et, croquant et sucré. Une citrouille! Est-ce que j'en ai? Est-ce que j'ai une citrouille? Une citrouille, quelque part. Vite. 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 Rouge, rond et croquant. Ça! Non, ça, ça peut être forcément ça. Maintenant, une pomme! Oh là 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 là. Non, pas manger. Une pomme! Rouge, rond, petit, sucré. Une pomme! Une pomme! Non, d'une noix! La danse de la bonne réponse! Et question suivante! Quel légume bien robuste et originaire du village de Cocorico? Un légume robuste de Cocorico. Une carotte. Hey! C'est pas ça, la carotte vigueur? Bah là, ils font quoi, Cocorico, hein, Cocorico? J'ai peur que le bonhomme te dise « Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ?» Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Pareil. Mon dieu, mon dieu. Je sais pas, moi, un légume de Cocorico? Sérieux? J'ai des champignons, des fruits...